Le plan, c'est Empire. C'est le plan. Et c'est comme ça. C'est mauvais, mauvais droit au plan et au, à la surface, au superficiel, c'est pas bon. Enfin, la maison de Dieu, en fait, c'est quoi? Le plan, il dit que c'est R.R. En fait, c'est pas R.R. parce que R.R. est désavoué. En fait, R.R. est désavoué. R.R. c'est le plan, c'est la surface, c'est le désavoué. Et c'est pourquoi on a créé, la somme des nombres complexes. En fait, R.R. c'est quoi? R.R. c'est quoi? C'est la somme des nombres complexes. En fait, la seule raison qu'on fait, c'est quoi? C'est R fois R qui est complexifié. C'est le plan qui est complexifié. Complexifié par quoi? Par ce nombre imaginaire-là. Ce nombre imaginaire pur I. C'est le plan qui est complexifié. Donc, la maison de Dieu, ça veut dire que c'est R fois R, c'est quoi? En fait, je veux dire que quoi? C'est le seul nombre complexe. La maison de Dieu, c'est le complexe. C'est le complexe, c'est pas le superficiel. La maison de Dieu, en fait. La maison de Dieu. R par R, R par R c'est le plan, et la maison de Dieu c'est quoi? C'est le complexe. Le complexe. Et on décrit complexe. Complexe, pas des choses, c'est quoi? Il dit compléter. Compléter. Regardez, X, il y a la position de 4, et le 4 dans le courant c'est quoi? C'est le bien. Ça veut dire quoi? Compléter 2 qui est à la position de c'est B, c'est ça qui est le plan. Mais on vient sur ça, pourquoi B c'est le plan? Le plan, d'abord vous voyez là, le plan, ça le morceau c'est 2. Compléter 2 par quoi? Compléter 2 par 4. Compléter le plan par 4. Regardez 4, c'est quoi c'est? La 4, ça c'est le paquet là de 4, c'est le plan. Le plan est donné par quoi? Par 2 droits séquences. Ça lui donne déjà un plan. On peut faire ça par quoi? Par là. La hauteur. La profondeur. Très simple. La profondeur. C'est ainsi que à la position des 4, ça fait une lumière, c'est la vie compléter le plan. Compléter le plan par quoi? Par quoi? Pour obtenir IR, tout ceci, ça c'est I, mais voilà, R comme R, IR c'est la ligne pour obtenir quoi? Pour obtenir le même comme quoi? Le volume. Donc, ajouter quoi? Ajouter la hauteur. Plus précisément, c'est quelle hauteur? C'est pas une hauteur. Comme ça, c'est pas une normale. C'est pas une normale sortante, mais une normale entrante. Allez, profondeur. Pour obtenir le volume. C'est comme ça. Tel est le complexe. Ainsi, un nombre complexe. Ainsi, un nombre complexe, c'est quoi? Un nombre complexe, c'est un nombre complexe, c'est notre A plus IB. Ah, là, c'est quoi? C'est la partie réelle. C'est un nombre complexe. C'est-à-dire, la partie réelle, c'est la partie visible. C'est l'apparent. C'est l'apparent. C'est ça qui est le réel, le plan, le superficiel, là. L'apparent. Réel, ce qu'on voit là, et réel, ce que vous voyez là, c'est l'apparent. Et la partie imaginaire là, B là, c'est pas la partie imaginaire, c'est-à-dire la partie cachée. La partie cachée qu'on imagine. C'est-à-dire la partie spirituelle. L'esprit. C'est ça, l'esprit, c'est-à-dire, c'est comme ça. Et cette partie imaginaire là, pour la trouver, on réfléchit. On réfléchit pour la trouver. On prend le combat pour percer. Le combat est une normale. Et pas en profondeur, on ne peut pas percer pour trouver cette partie imaginaire là. C'est comme ça. Vous voyez par exemple dans un rêve, Paul vous a donné 100 francs. 100 francs. Et de là, deux jours après, ou bien le jour qui suit après, vous voyez Ali qui vous donne quoi? Ali qui vous donne aussi 100 francs, qui t'a donné 100 francs. Automatiquement, vous pouvez voir. Voilà, c'est à quoi réaliser le rêve. C'est comme ça. Le poids de la mer ne sera pas à